I repeat, we have civilians on board. Hold your fire! We are to engage and destroy all enemies in the area. This isn't a drill. This is for real. Don't be a hero. Survival is paramount. Pick off the weak ones first. Landing confirmed at Vector 110. Clear to engage. Enemy facility destroyed. Whiskey Corridor is a narrow strip of land between Lambert and Amber Mountains. The enemy has deployed a large tank force at the end of the corridor as its final line of defense. Despite being outnumbered, our allies must face this enemy contingent head-on in order to advance on the Erujian capital of Barbanti. Our projected casualty rate is extremely high. We need a miracle in air support to win this battle. Annihilate enemy ground forces and provide direct close air support to our troops. Et de retour donc pour peut-être la dernière partie du jeu avec une mission attaque au sol avec des tanks. Vous pouvez voir, il y a énormément de troupes à abattre. C'est parti. Alors il va falloir prendre un avion qui correspondent bien à la mission, c'est-à-dire je pense qu'il va falloir beaucoup de missiles et surtout beaucoup d'attaques au sol. On va voir si on a débloqué un nouvel avion entre temps. On a débloqué le SU-35, ça fait plaisir. Je me demande si on va pas le prendre du coup. Est-ce qu'on pourra utiliser par exemple le A-10 hein, qui a pas mal de missiles. Air to ground weapon, je pense qu'on peut être tenté de prendre la 10 qui est certes peut-être un petit peu moins rapide mais qui va pouvoir, pouvoir envoyer la patate, donc on va faire ça. On regarde quand même si on n'a pas d'autres avions différents. De toute façon j'ai tellement d'argent que je pense qu'on va pouvoir en acheter un autre. On va quand même acheter le SU pour tout à l'heure. Par contre, on va acheter des armes maintenant. On va aller chercher le A-10. Alors, Air to Ground Missile, donc 4 cibles à la fois. Cluster Bomb, Mid-Flight Span, type bombé. Bon, on va quand même prendre celui-là. C'est le plus à même à faire des choses intéressantes. Ça on verra plus tard. Allez, nous sommes partis. 3500 points avant avant la fin du temps limite. Attention all aircraft, this is Sky Eye. This is primarily a ground battle, so our duty is to provide close air support. Voici le fameux A-10. Alors il va y avoir beaucoup d'avions de chasse aussi contre nous, donc ça va être très très compliqué. Hein. On va commencer par flanquer sur le gauche.
La vitesse de pointe n'est pas très rapide. 835 km/h. Enfin, oui, je crois que c'est 2 km/h. Pour le moment, on voit des missiles classiques. J'ai pas l'impression qu'on a fait beaucoup de dégâts quand même. On va reprendre notre WEP. Ça c'est détente hein, donc y'a pas... Pas beaucoup de points à récupérer. Les pillbox ont l'air beaucoup plus difficiles à tuer. Il va falloir être beaucoup plus réactif. Hein. Sur les missiles. On va ressortir un peu de là-bas. On va l'attaquer un petit peu ici. La partie gauche semble pratiquement faite. On va se concentrer sur la partie centrale maintenant. Il nous reste 15 minutes, hein. La mission est assez longue. On fait déjà 2060 points. Central line of resistance in vector 040. Bien, il m'en reste 3 missiles.
Bon, une centrale était assez simple à attaquer puisque c'était quand même c'était plutôt en petits paquets espacés. Une ligne de défense devant, il nous reste 11 missiles. Oui, devant il y a 4 F-22 et des 117 aussi. Tiens. Et bien, c'est en moi, c'est fait. À 10, bon, non, ça sert à rien. On va revenir à la base. Ouais, il me reste plus que. Il ne reste plus qu'un missile. On va rentrer à la base. Et on va ravitailler. C'est plutôt long. Finalement, le A10 se défend pas trop mal pour le moment. Approaching point of return. Maintain current course to refuel. Mobius 1, perform landing check. Mobius 1, you are cleared for takeoff. Allez, en avant. Alors le problème sur la map, c'est qu'on ne sait pas trop distinguer de base si ce sont des avions, si ce sont des tanks. Ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie d'aller tout au fond, en tracer une ligne droite, et après on va aller sur la poche tout en haut. Si on voit des cibles sol dans la trajectoire, on va essayer d'en tuer une ou deux. Autrement, non. C'est des F-117, il n'y a rien au sol. Ouais, là on va s'en faire quelques-uns par contre. Pff, on les a rayés de la carte. Hein. C'est parti, on va arriver dans la dernière poche. Enemy facility destroyed. Box
Alors l'avantage de la 10, c'est qu'il est quand même assez solide, donc il peut prendre un peu de missiles, ça va. Où il y a Planck là. On va attaquer le quartier général carrément. On a 4540 points, ce qui fait pour l'instant en B, mais il nous reste 7 minutes. Avec un peu de chance. Allez, on va aller d'un autre côté maintenant ici. Alors il me reste plus que 5 missiles XAGM. S'éloigner un peu. Alors on est très bas en vitesse, hein, on est à 100. CGM, on va l'utiliser maintenant. Ok, donc il me reste un 5 missiles pour aller faire le ménage de l'autre côté. On est en rang A pour le moment, je sais pas combien il faut pour avoir le rang S. Cette carte, la frame rate tient plutôt le coup, donc ça c'est bien. C'est que des Holbitzer, donc. One, box two. Tank destroyed.
plus que 16 missiles. Je pense qu'on aura détruit plus de chars que les chars alliés tous ensemble. Ça va être short, très short. Je suis en reste, donc là c'est bon. Je pourrais arrêter là. On va quand même terminer 2-3 cibles au sol histoire de. Prendre la SAM d'ailleurs qui est en nuit là. Il me reste plus qu'un missile. Bon là, je vais pas pouvoir faire grand chose. On va rentrer à la base, tant pis. Une 40, j'ai peut-être moyen d'en faire un aller-retour, mais ça va vraiment être très, très juste. Pas très vite, hein. Je suis à 1000 un bloc. Approaching point of return. Maintain current course to refuel. Mobius 1. Mobius 1, you are cleared for takeoff. Ouais, il me reste 59 secondes pour aller faire un kill. On va essayer. Je pense qu'en termes d'optimisation, c'est difficile de faire mieux. Vous voyez, il y a des points qui apparaissent des fois sur la carte en plus. Ça va être très très short. C'est un avion. Bon, mais j'aurai pas le temps. C'est pas grave. Alors je sais pas si vous avez vu au début de la, tout début de la vidéo, le, sur la map, on a vraiment vraiment rattrapé tout, hein. Il ne reste plus grand chose du continent qui est pas à nous. Il reste plus que deux poches de résistance. On va sauvegarder bien sûr. Enfin non, je vais plutôt prendre celui-là. Là où ? The enemy.
Enemy GHQ is located beneath a landfill on the coast of their capital, Farbandi. Bring it under control to end this war once and for all. Our troops will enter via the Silver Bridge to the southeast and the flooded city to the south. You must attack all enemy forces and support our troops. Enemy tank forces are also closing in from the north. Destroy Johnson Memorial Bridge to stop them from joining forces from the enemy GHQ. We know that Megalith is being developed as we speak. The enemy must be prevented from using it as their last-ditch effort. Ok. Donc. Quelques cibles prioritaires. On va arriver dans les dernières missions, donc c'est le plus compliqué normalement. Enfin, normalement. On va voir les avions. Bon, même si j'ai déjà acheté le Sukhoi, on va voir si on a débloqué autre chose. Ah, c'est dommage, j'ai pris le Sukhoi. Ah, on a quoi? On a le F-15 Active Fighter. Ok. Le SU-37. C'est lequel que j'ai pris moi? Ah! Ouais, donc en fait, il faut acheter à nouveau le SU-37. Bon, ce qu'on va faire. On va prendre le. Il ne reste plus grand chose, hein. On va revendre un avion. On va revendre le. Justement, le SU-35 que j'ai pris, puisqu'on va prendre une version améliorée du SU-35. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est acheter des weapons pour l'avion. Alors, on a le Long Range Air to Surface Missile. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Non, 20 en plus. Allez, c'est parti, on va prendre ce missile qui a l'air un peu badass, on va faire OK. Et on va du coup passer à la mission 17. Pour l'instant, il faut marquer des points. The outcome of the war rests on you, so stay focused on what's at hand. Remember, survival is paramount. Good luck to you all, and Mobius 1. An end to the war would be a nice birthday gift as well. Mobius 1, engage. Allez, on va sortir un petit peu de combat aérien pour commencer. On a 11 minutes. Histoire de voir un peu le. On peut faire. On va sortir de là, on va plutôt attaquer les cibles au sol parce qu'on n'a pas beaucoup de temps hein, sinon. On a 4 000 d'altitude. Ouh la vache, comme il bouge vite. Donc il y a vraiment tout qui est là, ils sont tous présents là. Alors là vous voyez l'avion il tombe tellement vite que ça va être très difficile d'être précis. Il est où? Oh la vache. Alors on va changer de vue pour se mettre en vue un peu plus. De...
Eh bah dis donc. C'est ce que j'appelle se planquer avec un sous-marin. Hein. Pas les missiles forcément partir du coup, mais... Ouh là 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 là, ça va tellement vite. On va aller chercher le... On va aller chercher le point rouge là, le sous-marin à tuer parce qu'il va falloir quand même le faire. Je pense qu'il va falloir les faire en priorité les sous-marins. Tout à l'heure on avait deux sous-marins à détruire. On va faire un peu la ligne. J'espère tellement de... Et bon, on a eu le sous-marin. Le sous-marin, je pense que ça peut être important parce que... J'ai plus le souvenir comment se finissait le jeu, mais je sais que dans un S combat, il fallait absolument le tuer. Il nous reste 6 minutes. Ouh. Ça fait un joli combo là. Est-ce qu'il va taper le... Ouais, il va taper, je pense. Il va taper le... On a réussi la mission déjà, il nous reste 5 minutes maintenant. La cause on a réussi, c'est qu'on tente un peu pour, on a réussi. Oh, c'est vraiment pas évident d'être précis avec ça. Sympa aussi.
zone de missiles. On est tellement rapide que j'arrive à semer les missiles quoi. J'ai loupé. Mince. Ah, c'est bon. Bon, vous voyez quand même qu'on est en mission C, sachant qu'il reste 3 minutes, je pense que c'est difficile de faire mieux. On a envie d'avoir une update à la mission. Je pense que j'irai peut-être faire un tour pour recharger. On reste 11 missiles. Ouais. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la base pour recharger rapidement. Et pour l'instant, on a le rang B. Ah, j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre des missiles, 4 missiles en fait. C'est pas lui que je vais chercher non plus. Et une missile en jaune, c'est pas celui-là non plus. C'est ça, V22. Il reste 22 secondes. Il reste 23 secondes. Tango 16 secondes. Settle this one.
Bon, allez, c'est le grand combat. Pas final, mais c'est le grand combat quand même. Donc là l'idée c'est d'aller très très vite partout pour éviter d'être en... Faut pas leur laisser le temps de partir en fait, faut aller très très vite. Vous avez vu comment ils tombent très vite sur le radar. Ils sont ultra mobiles. Alors les amis, c'est encore... Enfin, ça va être chaud, hein, vraiment très chaud. Temps 3. Okay, on va se barrer. On va la laisser venir sans nous. Ah, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en fait, il faut aller très très vite et pas les loquer trop. Allez, 2 plus que 2. Allez, on envoie 2, ce con. Ouf. Ah, 42 missiles. Ok, on se casse. On fait un demi-tour. Boum! Thank you.
On September 19th at 1200 hours, Irugia accepted the ISAF terms for surrender. Our victory came at an extremely high cost in casualties. Ouf, on reste dans la, peut-être avant la mission, je sais que je spoil un peu, mais... bon. Yellow 13's body vanished into the blue skies, never to return to Earth. Only a single handkerchief fluttered down from the sky where he disappeared. The faint scent of perfume. The barkeep's daughter and I had followed the squadron this far. Each of us had our own thoughts as we buried that handkerchief. It no longer mattered to me whether that was 13 or 4's grave. Their memories blurred together as one, and left the realm of reality like a dream. The terms of surrender were accepted that day, and the war was over. A group of young Irugian officers have taken over Megalith, the superweapon that was under development. Megalith is a rocket launch facility that can shoot down asteroid fragments in orbit. The only way to destroy this highly dangerous and fortified facility is to hit it from the inside. Follow the missile port grooves to find the three generators deep within the facility. Destroy the generators to access the central heat vent. Once inside, destroy the giant missile in the central silo. An infiltration unit will secure your escape route. Their plan calls for waiting until the generators are offline, and then taking over the sub-control room once the blackout hits. Enter this rat's nest with full confidence that the unit will get you out again. It's highly likely that this will be your final mission. Remember, we need heroes after the war too. Make it back in one piece. Dismissed. Dismissed. Et là, c'est, je pense que c'est le moment le plus épique du jeu en fait, c'est vraiment cette mission. Parce que quand tu n'as jamais joué au jeu, tu fais « Ah ok, en fait c'est mort, c'est pas fini, il y a encore un problème. » Alors, en plus sur un calme glaçant quoi, limite, enfin, en tout cas à l'époque je crois que ça m'avait fait petit effet quand même. Alors, donc... On a trois cibles à atteindre qui sont... C'était un peu une habitude à l'époque dans les combats, c'était d'avoir des missions où on passe en fait sous un bâtiment. Et c'est assez chaud d'ailleurs à cause de ça. D'ailleurs en parlant de ça, je pense qu'on va changer d'avion parce que là, ça va être très très difficile d'être précis avec. Donc c'est parti. Nos data. On va voir un peu les avions qu'on peut avoir. Le S-37A j'ai pas l'argent pour l'acheter. J'ai bien envie de faire du... de prendre 117 pour rentrer dans le bâtiment, mais bon, je pense que c'est peut-être un petit peu exagéré. Ah, je vous avoue, je sais pas trop quoi prendre pour ça. On peut finir sur un F-15 par exemple, ça pourrait être pas mal. Bon allez, on va finir sur un F-15.
Allez, c'est parti. J'ai laissé le speech, évidemment. La musique est énorme. On a tout mis. Ouais, tous les avions qui restent, c'est... Je sais même pas comment je vais passer. Voilà. C'est magnifique. C'est une torture. C'est une torture cette mission. Vous allez voir avec un avion pareil. Évidemment, on peut se prendre tous les avions si on veut. Hein. Oh la vache! Ah, j'ai supposé que c'était compliqué, mais alors à ce point-là, vraiment. Ah, c'est. Ça pique, hein. Vraiment, cette mission, elle est vraiment. Pouf! Il faut faire trois fois en plus, hein. C'est vrai que j'ai toujours été un joueur qui joue à la croix et jamais au joystick. C'est pour ça que je n'ai aucune capacité à être très précis sur les joysticks, justement. Bon, maintenant que je sais qu'il faut que je reste au milieu, là, je peux attaquer avec le missile et que je peux attaquer après. Il est là. Pouf, pouf, pouf. All teams are on the 13th floor, but we can't get the sub-control room to open. It's an electronic lock. We'll load the position until the generators are destroyed. So hurry up. Here they come. Don't let the enemy get through panel K. Altman, use your hand grenade. Damn it! Got flamethrowers. Ah non, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à refaire la descente en fait.
La vache, s'il fallait à chaque fois repayer l'avion qu'on baisse combat 1, je pense qu'on serait déjà totalement ruinés. Bon, j'ai déjà réussi le jeu plusieurs fois, hein, enfin 3 fois exactement. Mais ouais, là ça... Parce que le problème c'est que je pense que soit il faut que je le prenne plus lentement, encore plus lentement que ça en fait. Je peux faire, je comprends pas là. Comment je vais pouvoir faire le piquage? Bon, j'ai tapé le dessus, effectivement. On l'a vu, hein. Ah, ça m'a déséquilibré et après je me suis planté. Je pense que de l'autre côté c'est pas possible. Bon. Eh ben. Voir que là, au niveau le gap de difficulté, on est passé de 1 à 1000, hein, en l'espace de 5 minutes. Preparations are complete, ready for battle. All aircraft, follow Mobius 1. Imaginez, le mec qui s'amuse à déjà tous les abattre et après rentrer tranquillement sur les trois, bah je le dis, c'est un dieu le mec quoi. Là ça va être compliqué, je sais absolument pas comment faire. Ok, je tourne, j'accélère, c'est bon. Ok, il en reste deux. Normalement il faut que je fasse le droite et après je fasse le gauche. Plus
J'ai pas compris. J'en sais passer par là. Il y a des lasers. Il y a des lasers partout. Oh pitié quoi. Ok, il va falloir que je rentre par... Ouh là là, je me souvenais plus de ça. On reste 29 minutes. Bon, on va faire le TGT avant. On va rentrer par l'entrée principale. Heureusement que pour l'instant ils ont tout Non, je suis pas bon, on va revenir. On va vraiment y aller tranquille. Ah, je suis pas dans le bon. Et merde. Je suis pas dans le bon. Le problème, c'est que ils arrivent tous sur moi maintenant. C'est sûr. Normalement, c'est sûr. Non, c'est pas celui-là. Je suis pas dans le bon encore. Ah, il est au milieu. Oh putain. Ah, ils vont essayer de m'avoir en plus. J'en ai un au cul là. Il est là, ça l'entrée. Yeah.
The once familiar scent of burning jet fuel has long since faded away. What was once Yellow Squadron's runway is now just a local highway again. I write this letter to you now. I know it must have brought him unexpected joy to have an opponent like you at the end of that meaningless war. At least that's what I want to believe. Only you, the pilot who shot him down, can confirm this. And so, I write to you. Disappointment.
Et ben voilà. Et ben vous aurez vu le jeu en entier pour ceux qui ne l'avaient jamais fait. On va sauvegarder. Sauvegarder avant Megalith. Voilà. Et donc si vous voulez, et ben voilà, vous avez free mission, trial mission. On peut faire démarrer avec à partir de la mission 1. This carry over. Donc normalement, ça je fais une nouvelle partie. On va mettre normal, on va pas recommencer évidemment. C'est juste pour voir si on peut avoir tous les avions dès le début. Est-ce que le carry over, je pense que non. Donc là on va passer rapidement. Juste je me souviens. Est-ce qu'on a les avions du début? Ah voilà, donc en fait on peut recommencer le... on peut recommencer le mode normal quoi, mais avec les avions qu'on avait dès le début. Et vous pouvez voir ici par exemple on a plusieurs variantes, donc là on a le 22A Fighter et on a alors je sais pas ce que c'est la différence entre les deux quand on fait au bas. On voit aucune en fait. On a le SU-35 Fighter. Je sais pas pourquoi il y a deux choix, c'est un peu bizarre. 37A, bon, y a pas grand chose de différent. On va juste voir si on peut acheter. On peut en acheter un ou deux. C'est peut-être la variante que j'ai acheté. Vous pouvez revendre. Enfin voilà, vous pouvez reprendre le jeu. Je vais baisser un peu le son, voilà, parce que depuis tout à l'heure on m'entend peut-être pas trop. On peut recommencer le jeu donc avec les avions qu'on avait débloqués de la première partie. À la limite, on pourrait lancer le jeu en mode hard pour faire la version difficile. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à la prochaine pour une autre série. Ciao tout le monde!